as well. L'université de Kinshasa organise ce jour, le jeudi 4 mars 2021, une séance académique de soutenance publique d'une thèse de doctorat en droit par l'assistant Guy Pascal Ngoma-Panzou du département de droit économique et social de la faculté de droit de notre institution universitaire. Intitulé de la thèse « Contribution à la réglementation du crédit bail en droit OADA, mécanisme idoine pour l'harmonisation du droit communautaire ». Promoteur de la thèse, M. le professeur Roger Kolam-Gozé de l'Université de Kinshasa, présidente du jury, Madame la professeure Marie-Thérèse Kengengomba Chilombayi, doyenne honoraire de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Président de la séance, nous l'avons déjà dit, c'est Monsieur le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le professeur Eustache Manzasomwe Afunkwa, agissant au nom de Monsieur le recteur. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11 points. 1. Ouverture de la séance par Monsieur le représentant du recteur. 2. Vérification du dossier du candidat par Monsieur le doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, agissant au nom du secrétaire général académique. 3. Présentation du candidat par M. le doyen de la faculté de droit de notre université. 4. Présentation des membres du jury par leur président, et celui-ci sera présenté à son tour par M. le doyen, qui va jouer aujourd'hui un triple rôle. 5. Présentation du résumé de la dissertation doctorale, la thèse, par le candidat. 6. Débat entre le candidat et les membres du jury. 7. Suspension de la séance et délibération à 8 clous. 8. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par le président du jury. 9. Collation du grade académique en cas de résultat positif. Et remise des insignes de l'Université de Kinshasa au lauréat par M. le président de la séance. Il s'agit de la toge, du fanion et du diplôme de doctorat. 10. Mots de circonstance prononcé tour à tour par le lauréat, par M. le doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et par M. le président de la séance. 11. Enfin, clôture de la séance par M. le représentant du recteur. Avant d'inviter M. le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance, nous demandons aux personnes munies des téléphones mobiles ici dans la salle de veiller à ce que la sonnerie de leur téléphone ne perturbe pas le bon déroulement de l'épreuve. Par ailleurs, nous informons le public qu'il est interdit, pendant le débat entre les candidats et les membres du jury, de manifester ses sentiments par des cris de joie, des coups de sifflet, de vuvuzela ou par des applaudissements. Le public est autorisé à exprimer ces émotions, ce sera lors de la proclamation du résultat de l'épreuve et de la collation du grade académique. Merci. À présent, nous invitons M. le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance. Je demande l'assistance de respecter scrupuleusement les caractères solennels de la présente cérémonie scientifique académique afin que cette séance triomphe. J'invite M. le doyen de la faculté de droit à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, M. Ngoma Panzou. Nous, professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, agissant au nom du secrétaire général académique de la même université, sur les rapports établis par les services techniques du secrétariat général académique de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par M. Ngoma Panzou, à savoir
ses pièces administratives. Son cursus académique et divers certificats et diplômes antérieurs exigés. La régularité de son inscription à l'épreuve du doctorat en Goa et le paiement des frais y volatifs. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qui remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Le secrétaire à Kinshasa, le 4 mars 2020, pour le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le doyen de la faculté, le professeur Jean-Pierre Sambou-Kangashi. Le doyen, ne vous mettez pas, nous invite de nouveau à pouvoir présenter les candidats. Ayant agi au nom de monsieur le secrétaire général académique, maintenant le doyen, présente les candidats en lieu et place du doyen chargé de la réunion. Formulaire de présentation du candidat. Faculté de droit, département de droit économique et social. Présentation du candidat, monsieur Ngo Mapanzou. Et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2021, le 4e jour du mois de mars à Kinshasa, nous, Jean-Louis Sambou Kangashi, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté de droit, procédons 1. À la présentation de M. Ngo Mapanzou. 2. À la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance de thèse de doctorat. Attendu que M. Ngo Mapanzou est né à Kinshasa le 13 janvier 1983 en République démocratique. Il est domicilié sur l'avenue Pia, numéro 4, quartier Kingawa, commune de Limété à Kinshasa, suivant l'attestation de naissance versée au dossier. Il est détenteur d'un certificat de nationalité, numéro 21, délivré par le ministère de la Justice de notre pays. Il possède un certificat de bonne vie, de bonne conduite vie et mers et de civisme, délivré par la commune de Limété. Il a effectué ses études primaires à DP1, Matambengue et a obtenu un certificat d'études primaires en 1995. Il a effectué ses études secondaires au petit séminaire de Mbatankela, sanctionné par un diplôme d'État des humanités littéraires obtient la latin philo en 2001. Il a ensuite entrepris les études universitaires à l'Université protestante du Congo, UPC, faculté de droit, et a obtenu un diplôme de licence en droit en 2008. Il possède un diplôme d'études supérieures ES en droit de l'Université protestante du Congo, obtenu en 2012. Par décision électorale numéro 0247 du 2 décembre 2020, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat en droit intitulée Contribution à la réglementation du crédit bail dans l'espace communautaire Rwanda et implication fiscale. Devant un jury composé de la manière suivante, conformément à la décision rappelée. Membre effectif, professeur Kengero Matilombay, président. Professeur Mbidi, secrétaire. Professeur Kola Gonze, membre effectif et promoteur. Professeur Koumoukamim, membre effectif. Professeur Iloumé Moké, membre effectif. Professeur Sakata, membre suppléant. Professeur Wabankuna, membre suppléant. Attendu que le quorum exigé étant atteint et que le jury peut valablement siéger, nous invitons le président de la séance à bien pouvoir autoriser la soutenance de la tête de M. Ngoma Panzou. Faites à Kinshasa le 4 mars 2020, le doyen de la faculté.
Autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat de M. Ngoma Panzo. Nos professeurs Estache Panzo Soma Fongwa, secrétaire général académique, agissant notre directeur de l'Université de Kinshasa, attendu que les candidats a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du doctorat en droit. Attendu que le jury nommé par le directeur rectoral numéro 0247 2 mars 2020, pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. Ngoma Panzo, a déclaré ceci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 014/1000/4000/SMM/JPK/LMM/2019, du 22 janvier 2009, portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement sur l'article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15, l'ordonnance numéro 0421-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en droit de M. Ngoma Panzo, et passons la parole au président du jury, la présidente. Fait à Kinshasa, le 4 mars 2021, pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général de l'Académie, Estache Panzo Soma Fongwa, professeur de l'Université. Les membres du jury, ils composent, n'est-ce pas, le jury pour l'examen de la thèse de doctorat du récipiendaire. Nous commençons par le professeur Sakata Tawab, s'il peut bien se lever. Le professeur Sakata est professeur ordinaire. Il est docteur en droit de l'Université catholique de Louvain depuis 2009. Il est professeur de droit des affaires et de l'OADA. Il a été vice-président de la faculté de droit en 2012. Comme domaine de recherche, c'est le droit des affaires, le droit de l'environnement et le droit minier. Il a écrit 5 ouvrages et plusieurs articles. Il a donné plusieurs conférences comme activité scientifique, des cours sur le plan national et international et membre de plusieurs sociétés savantes. Le professeur peut s'asseoir sous vos applaudissements. Le professeur Kumu Kingimbi, il est du département de droit économique, il est membre de ce jury, professeur ordinaire depuis le 30 décembre 2010, professeur full en 2006, associé en 2001, il est professeur de législation en matière économique et d'autres cours, il est chef de département de droit économique et social, il a été vice-doyen à l'enseignement et à la recherche dans le passé. Comme domaine de recherche, le droit des affaires internes et internationales, le droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle. Production scientifique, il a plusieurs ouvrages, plusieurs articles. Nous pouvons citer comme ouvrage la législation en matière économique, le droit de la propriété intellectuelle, le droit du commerce international, le droit de l'entreprise. Activité scientifique, il est professeur dans plusieurs universités. Nous pouvons citer à l'ULK où il enseigne et en même temps secrétaire général académique. Il est doyen à l'université Ukongo, université Kassabougou de Goma, et il est invité à l'université Wurzburg en Allemagne. Société savante, il est membre de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique en tant que président du conseil d'administration. Il est membre toujours PCA honoraire, Centre de recherche et d'études sur l'état de droit en Afrique, membre de la Commission nationale OADA, membre de la Commission permanente de réforme de droit congolais et membre de l'Association germano-congolaise des juristes. Sous vos applaudissements, les professeurs Voudi Matingu Séraphin, il nous vient de la faculté des sciences économiques, où il est professeur ordinaire depuis 2015, docteur en sciences économiques depuis 1985. Il est doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Domaine de recherche, économie des ressources humaines. Plusieurs articles, plusieurs ouvrages dans le domaine de l'économie de l'éducation et l'économie du travail. Il est membre de plusieurs sociétés savantes et a produit plusieurs conférences, séminaires et des enseignements sous vos applaudissements et soutiens. Le professeur Roger Paul Ambosé,
qui est le promoteur de la présente thèse, est professeur ordinaire depuis le 30 décembre 2010, professeur Foul en 2005 et professeur associé en 1998. Il est professeur de droit fiscal national et international, chef de département honoraire du département du droit économique et social, domaine de recherche, droit des affaires en général et fiscalité en particulier. Il a plusieurs productions scientifiques qu'il a mentionnées, ce sont son rapport public, qui y en a, je crois, 10 ouvrages, la politique française d'incitation à la fiscalité, la lutte d'économie populaire, la lutte contre la prédation, la législation fiscale, pour ne citer que ces ouvrages-là. Et plusieurs articles, évidemment. Comme activité scientifique, il est professeur visiteur dans des universités, Institut supérieur de la RDC, consultant à la direction des études de l'incitation au ministère des Finances 2018-2021, consultant de la RDC à Atlanta 2000-2006, séminaire sur la gestion des projets en Floride, cadre à la Banque mondiale, professeur invité dans plusieurs universités pour donner la comptabilité ou autre en France. Membre de la commission permanente des réformes du droit congolais, membre de la commission OADA, membre de l'Institut européen africain de droit économique depuis 2008, il est président de l'Association des fiscalistes congolais de 2002 à ce jour. Avec beaucoup d'expérience, il dirige donc cette thèse de doctorat. Il peut s'asseoir si vous l'accueillez. Professeur Mouaba Kouna Dieudonné, il est du département de droit économique et social. Il est docteur en droit de l'Université Paris-Panthéon Sorbonne le 30 juin 2010, professeur Foul. Depuis 2016, il est professeur de droit commercial et de droit financier. Il est secrétaire du département de droit économique et social. Domaine de recherche de droit économique et gestion des finances, droit financier, institutions financières, droit des sociétés, banques et assurances. Plusieurs productions scientifiques, nous pouvons citer quelques ouvrages, traité de droit financier, nous avons le droit commercial général, pour ne citer que cela, sinon il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'articles. Activité scientifique, il est doyen honoraire de la faculté de droit de USK et de France. Il est membre de plusieurs associations savantes et nous pouvons citer l'Association internationale de droit économique, le Conseil européen de finances publiques, l'Institut européen africain de droit économique. Sous vos applaudissements, je vous remercie. Maintenant, c'est le tour du doyen de présenter Madame la Présidente. Elle veut bien se lever. Marie-Thérèse King Ngumba Chilombay est professeure à la faculté de droit, département de droit privé judiciaire. Elle est docteur en droit depuis 1999. Elle a été successivement professeure associée, professeur et professeur ordinaire depuis 2010. Elle s'occupe des questions de droit civil et particulièrement de droit civil des obligations. À la faculté, elle a été secrétaire académique de 2003-2006. Elle a été doyen de 2015 à 2020. C'est la première doyenne ou la première doyenne femme que la faculté ait connue. Domaine de recherche, certainement droit civil des obligations, droit civil des sûretés, droit de l'homme. À ce jour, elle totalise 5 ouvrages de référence dans le domaine de sa spécialité, plusieurs articles. Elle appartient à plusieurs sociétés savantes. Elle a animé et continue à animer plusieurs conférences sur les questions de droit, notamment qui intéressent la spécialité. Elle nous fait noter que
en plus de ses activités académiques. Elle a oublié d'indiquer qu'elle a été plusieurs fois conseillère dans des cabinets ministériels et directeur de cabinet adjoint. Elle préfère qu'on mentionne une qualité qu'elle occupe maintenant, c'est qu'elle est membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous pouvez bien applaudir la seule dame qui est en train de se faire. Merci. Le président de séance, nous allons maintenant donner la parole au récipiendaire qui a 30 minutes pour nous présenter les résultats de ses recherches. Monsieur l'assistant Gomapan, vous avez la parole. Merci. Merci, madame la présidente du jury, pour la parole accordée. Madame la présidente du jury, messieurs les professeurs, membres du jury, c'est avec un grand honneur que je prends parole par devant vous dans cette séance solennelle de soutenance publique de notre thèse, dont l'intitulé est « La contribution à la réglementation du crédit bail emploi OADA, mécanisme idoine pour l'harmonisation du droit communautaire ». En effet, Madame la Présidente, Monsieur le Professeur, membre du jury, notre sujet a été structuré en deux grandes parties précédées d'une introduction au-dedans de laquelle nous relevons quelques questions qui cristallisent même la problématique. Mais il est de procédure scientifique que l'on définisse les concepts principaux qui caractérisent notre étude, notre recherche doctorale. Il est bien la question du crédit bail. Le crédit bail qui est un contrat commercial, mais ayant en son sein des aspects financiers. Vous allez comprendre avec nous qu'il s'agit bien des aspects financiers qui nous intéressent le plus dans le cadre de notre dissertation doctorale, étant entendu que la plupart des pays à travers le monde ont comme grand défi le développement économique. Et que donc, ces pays cherchent des voies et moyens pour trouver des mécanismes de financement. Et nous, nous pensons que les pays comme la RDC et les pays africains en général, sinon les pays membres de l'OADA, peuvent s'accrocher au crédit bail comme moyen de financement de leurs économies. Mais nous ne sommes pas arrêtés à ce niveau-là. Seulement d'étudier les aspects de sécurité juridique de l'opération du crédit bail. Parce que nous estimons que pour que le crédit bail puisse rencontrer un succès dans l'espace communautaire, il est important que nous puissions aussi réfléchir sur la rentabilité de l'opération. C'est donc à ce niveau-là que vont intervenir les aspects fiscaux du crédit bail. C'est la deuxième partie de notre dissertation doctorale. Et donc la première partie porte sur l'intérêt de la réglementation du crédit bail en droit OADA. Quel est l'intérêt? Nous allons essayer de ressortir l'intérêt de la réglementation du crédit bail en droit OADA. Et le deuxième titre va se pencher sur l'amélioration du système fiscal applicable au crédit bail. Là, nous allons proposer une fiscalité incitative au crédit bail. Nous insistons sur le fait que la sécurité juridique de l'opération de crédit bail ne suffit pas, encore que cette opération soit attractive à travers notamment une fiscalité favorable à l'opération. Et pour y arriver, naturellement, nous avons eu à emprunter des méthodes. Dans le cadre de notre dissertation doctorale, plusieurs méthodes ont été utilisées, nous ayant permis d'aboutir à la finalité de notre recherche. Parmi ces méthodes, nous avons l'exégèse qui nous a permis d'analyser les textes juridiques en l'espèce, les différentes législations de pays membres de l'OADA qui organisent déjà le crédit bail, qui nous ont permis de rapprocher en vue de proposer des éléments matriciels d'un acte uniforme en perspective. Il y a aussi la méthode comparative. La méthode comparative est venue compléter la méthode exégétique dans la mesure où elle nous a permis d'analyser plusieurs textes de loi. Je peux citer la loi congolaise sur le crédit bail de 2015, la loi sénégalaise sur le crédit bail de 2012, la loi camerounaise
sur le crédit bas de 2010, mais aussi la loi française, étant entendu que le Congo appartenant au système romano-germanique, nous ne pouvions pas nous en passer. Ça nous a permis de voir ce qui est fait en droit français pour nous permettre de mieux organiser nos réflexions en rapport avec l'acte uniforme dont nous faisons la contribution dans le cadre d'une dissertation doctorale. Nous avons aussi emprunté la méthode socio-constructiviste. Cette méthode nous a permis de discuter à bâton rompu avec les spécialistes, les techniciens sur la question, avec lequel nous avons eu à échanger sur la faisabilité de l'étude. Et enfin, il y a la méthode historique qui nous a intéressés. Étant entendu que le crédit bail n'est pas une invention africaine, moins encore congolaise. Le crédit bail est bel et bien une opération contractée d'opération financière qui a été conçue il y a belle lurette. Donc par cette méthode, nous avons pu aboutir à identifier les origines du crédit bail qui datent de plusieurs civilisations anciennes dont nous allons vous restituer le contenu tout à l'heure. Au-delà de méthodes, il y a des techniques qui nous ont permis aussi aboutir aux objectifs que nous sommes fixés. Il y a la technique d'empreinte libre, mais aussi la technique documentaire. Un travail est caractérisé par un intérêt, et le nôtre a eu un intérêt double. Il y a un intérêt théorique, mais aussi un intérêt pratique. Théorique, en ce que nous contribuons à la réglementation du crédit bail en droit ouada. Pourquoi réglementation du crédit bail en droit ouada? Mais pour la simple raison, certains actes uniformes, en l'espèce d'actes uniformes portant sur le droit commercial général, a eu à égrapiller certains aspects du crédit bail. Lorsque dans les dispositions des articles 35-36, cet acte uniforme prévoit l'enregistrement des opérations de crédit bail au registre du commerce et du crédit immobilier, sans pourtant organiser le fonctionnement du crédit bail. Cela nous a interpellés, raison pour laquelle nous pensons qu'il est important alors qu'il est de réglementer le crédit bail, mais aussi en rapport avec les opérations transfrontalières que prévoit le crédit bail. Lorsque nous lisons l'article 3 de la loi congolaise sur le crédit bail, il est renseigné la possibilité de faire des opérations transfrontalières du crédit bail. Les opérations transfrontalières qui voudraient assez que dans cette opération, qu'il y ait deux parties, une partie qui serait située en République démocratique du Congo, les crédits bailleurs par exemple, qui entrerait en contact avec un crédit preneur en opération qui se situerait en Côte d'Ivoire. Certainement, il pourrait naître de difficultés s'agissant de litiges à naître, mais aussi des difficultés s'agissant de la fiscalité appliquée. Nous avons craint le problème, notamment de la double imposition, pouvant naître de ces opérations. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était opportun de réglementer cette question. Et donc voilà, sur le plan photographique, les différentes méthodes qui nous ont permis d'aboutir à l'objectif que nous sommes assignés dans le cadre de notre travail. Revenons donc à la première partie, le premier titre qui porte sur l'intérêt de la réglementation du crédit bail en droit ouada. Ce titre a été examiné, cette partie donc a été examinée en deux titres. Le premier titre a consacré les notions sur le crédit bail et études comparées. Le second titre a examiné la situation du crédit bail en droit ouada et implications dans le développement économique. Chacun de ces titres est constitué des deux chapitres, ce qui fait donc la première partie avec quatre chapitres et la seconde partie aussi est constituée de deux titres plus quatre chapitres. De façon mathématique, toute la dissertation doctorale porte sur huit chapitres. Et je vais essayer, au regard du temps qui m'est imparti, de résumer les différents chapitres. Le chapitre premier donc du premier titre porte sur l'étude descriptive du crédit bail. Dans ce chapitre, nous avons eu à relever des questions liées à l'historique du crédit bail. J'ai eu à le répéter que le crédit bail n'est pas une invention africaine, moins encore congolaise. Donc le crédit bail, il est difficile de situer. Un auteur dit qu'il est difficile de déterminer le moment où le premier contrat de location a été signé, a été conclu entre les parties. Étant entendu que le crédit bail vient avec un crédit spécifique, mais c'est aussi en son sein, on y retrouve aussi des aspects locatifs. Et donc,
Dans la thèse, nous avons renseigné que le crédit bail, sinon les prémices du crédit bail, ont existé 4000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est dans, à la dynastie Tinite que l'on essaie de prêter l'originalité du premier contrat de location. Mais à côté de la dynastie Tinite, il y a eu aussi le code d'Amourabi qui a inspiré les premiers aspects du contrat de crédit bail. Le code d'Amourabi qui est le premier texte du droit écrit que le monde a connu, qui a aussi renseigné les premiers aspects du crédit bail sans pourtant relever le crédit bail tel qu'organisé aujourd'hui dans les États modernes. Mais dans cette historique ici aussi, je relevais que le crédit bail moderne aujourd'hui est né de la conception d'un industriel américain, Henry Schnaufeld, vers les années 60. Les États qui viennent de sortir de la Deuxième Guerre mondiale devaient chercher des mécanismes pour financer leur développement. Et aux États-Unis, il y a un industriel américain qui a conçu le crédit bail moderne dans sa version actuelle. Et au départ, ce crédit bail était utilisé dans le secteur agricole. Il devait louer les tracteurs à des industriels qui, en fin de compte, pouvaient en devenir des propriétaires lorsqu'ils levaient l'option. Donc, historiquement parlant, les premiers aspects du crédit bail, on le retrouve dans la dynastie Tinite, mais aussi dans le code d'Amourabi, et matérialisé par Henry Schnaufeld, l'industriel américain, qui a eu à concevoir la structure actuelle du crédit bail. Dans ce crédit bail, on peut classifier plusieurs types de crédit bail, mais pour mieux classifier ces différents types de crédit bail, nous sommes rabattus sur trois critères. Le premier critère, c'est le critère du transfert de risque. Selon ce critère, on peut distinguer deux types de crédit bail. Nous avons le crédit bail financier et le crédit bail opérationnel. Le crédit bail financier, effectivement, c'est celui-là qui permet à ce que le crédit preneur, en fin de contrat, lorsqu'il lève l'option, de devenir propriétaire du bien donné à crédit bail. Il y a aussi le crédit bail opérationnel. Ici, la finalité n'est pas de devenir propriétaire, mais tout simplement de se faire financer en vue d'exploiter une activité économique. Donc, ce premier critère lié au transfert de risque nous permet de distinguer les deux crédits bail que je viens de citer, à savoir le crédit bail financier, mais aussi le crédit bail opérationnel. Deuxième critère de classification, nous avons le critère lié à l'objet même du contrat. Selon ce critère, nous avons deux types de crédit bail. Nous avons le crédit bail mobilier et le crédit bail immobilier, selon la nature de l'objet même du contrat. Et enfin, il y a un troisième critère de classification qui est lié à la nationalité. Selon ce critère, nous avons deux types de crédit bail. Il y a le crédit bail interne et le crédit bail international. En espèce, en droit commun, comme dans plusieurs systèmes juridiques des pays membres de l'OADA, il y a des textes internes qui organisent le crédit bail. C'est le cas en RDC de la loi de 2015 sur le crédit bail qui organise cette opération. C'est le cas également du Sénégal qui l'organise depuis 2012 et le cas du Cameroun. Et récemment, depuis 2017, le Burkina Faso qui vient de prendre sa loi sur le crédit bail. Donc ces différents textes de loi organisés par les États que je peux citer font, sinon cristallisent ce qu'on appellerait le crédit bail du droit interne, le crédit bail interne. Mais à côté du crédit bail interne, il est organisé à travers le monde le crédit bail international. Dans le cas de l'UNIDA, qui est une organisation pour l'unification des droits privés à l'échelle internationale, qui organise le crédit bail international à travers la Convention d'Ottawa de 1988. La Convention d'Ottawa, qui vient organiser le crédit bail international. Par crédit bail international, on entend une opération de crédit bail qui se déroulerait entre deux parties, l'une située dans un État quelconque et l'autre dans un autre État. Le crédit bail international censé être organisé par la Convention d'Ottawa, encore que les États puissent y adhérer. Je tiens à signaler qu'il y a une faible intégration, sinon adhésion des États africains à la Convention d'Ottawa. On peut en citer quelques-uns, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, bref, les pays à culture anglo-saxonne, les pays à culture francophone tardent encore. C'est donc une aubaine qui nous est donnée pour permettre à ce que le pays de notre culture romano-germanique puisse aussi, qui compose pour la plupart l'espace communautaire WADA, puisse adhérer à,
à la Convention d'Ottawa éventuellement, parce que cette convention peut davantage sécuriser les investissements à l'échelle internationale, peut davantage faire appel à des grands investisseurs pour pouvoir permettre aux États, permettant aussi aux entreprises, d'acquérir des biens de grande envergure. Je peux citer les aéronefs, les navires, etc. Je tiens à signaler qu'à travers le monde, plusieurs États profitent, sinon recourent à cette convention d'Ottawa pour se faire financer. C'est le cas de la France qui aujourd'hui a su acquérir des aéronefs dans le cadre de sa compagnie nationale Air France, qui est financée à 30% par le crédit bail. C'est le cas aussi d'Ethiopian et même Kenya Airways. La plupart des pays qui nous entourent, des pays à culture anglo-saxonne, recourent effectivement au financement par voie de crédit bail qui leur permet d'acquérir des biens de grande envergure et qui boostent le développement économique. Je note donc que le pays membre de l'OADA continue à traîner le pied. Donc l'opportunité à travers cette réflexion nous est donnée pour renforcer les mécanismes de financement de nos différentes économies. Et donc, il y a plusieurs modes de financement, plusieurs modes de fonctionnement du crédit bail. Le crédit bail peut fonctionner par voie directe et peut aussi fonctionner par voie de leaseback. Voie directe ici, le crédit bail comporte trois parties. Nous avons le crédit bailleur, d'une part, qui est une société financière spécialisée, mais il y a aussi le crédit preneur. Mais dans l'exécution de ce contrat intervient aussi un fournisseur. C'est vrai que classiquement, c'est deux parties qui contactent le crédit bail, mais il y a un tiers qui vient intervenir mais dans l'exécution, le fournisseur. Le crédit bailleur fait acquérir au crédit preneur un bien mobilier comme immobilier, mais à usage professionnel, pour lequel il peut devenir propriétaire à la fin s'il arrivait à lever l'option. Alors, de cette classification et de cette peinture que nous venons de faire du crédit bail, il y a lieu de distinguer le contrat du crédit bail à certains autres contrats qui sont quand même proches. C'est le cas du crédit bail avec le contrat, par exemple, de la vente à Rémé. Dans le contrat du crédit bail, le crédit bailleur fait bénéficier l'acquisition des biens mobiliers comme immobilier auprès du crédit preneur. Alors, dans la vente à Réméré, c'est une vente avec rachat. Je vends un bien, mais avec une clause de racheter ce bien. C'est quand même différent du crédit bail. Il y a aussi une différence entre crédit bail et location-vente. Dans le crédit bail, la promesse de vente est unilatérale. C'est le crédit bailleur qui promet la vente au crédit preneur une fois il levait l'option. Alors que dans la location-vente, les promesses sont réciproques. Le vendeur promet, le locataire aussi promet d'acheter à la fin de l'opération. Vu le temps que vous avez imparti, je ne sais aller en long et en large. Il y a d'autres contrats qui peuvent être distingués du contrat de crédit bail. Le deuxième chapitre de ce titre-là a eu à parler du crédit bail à droit comparé et possible coopération dans quelques États membres de l'OADA. Sur cette question-là, nous avons eu à évoquer le cas du droit français. En France, contrairement au droit congolais, droit sénégalais et droit camerounais, en droit français, il n'existe pas un texte spécial qui organise le crédit bail. Mais plutôt, le crédit bail est organisé dans le code financier et monétaire. C'est un aspect que l'on renseigne dans le code financier et monétaire en droit français. Lors chez nous, il n'a plus au législateur de prendre une loi sur le crédit bail. Mais la loi de 2015 n'a pas été le premier à faire exister le crédit bail en RDC. Il suffit de lire la loi sur les établissements de crédit de 2002. Vous verrez que parmi les formes de crédit prévues dans cette loi, il y a notamment le crédit bail. Mais seulement, on n'avait pas organisé, il n'y avait pas un corps de règles organisant le crédit bail en droit congolais. Il a fallu attendre donc 2015 pour que le législateur congolais puisse prendre cette loi en vue de faciliter, de booster le financement des opérations économiques à travers ces contrats de crédit bail. Finalement, c'est la dynamique aujourd'hui dans l'espace OADA. Il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, etc. Alors, dans nos recherches, je suis arrivé à poser des questions auprès des experts, certains professeurs de la Société Savante de l'Université de Cheikh Anta Diop au Sénégal, de la faisabilité de cette étude. Et un me dira par exemple qu'il sera très difficile que je puisse aboutir à cette réflexion, étant entendu la coexistence de deux systèmes juridiques. D'une part, il y a l'OADA et d'autre part, il y a l'IMOA.
Nous allons constater que la plupart des pays membres de l'UEMOA, la plupart, sont également membres de l'OADA. Or, les deux espaces juridiques, c'est vrai que l'UEMOA, au départ, c'est une intégration économique, mais qui prévoit aussi un texte unique sur, sur le crédit bail. Finalement, dans ma recherche, je suis arrivé à aboutir à la solution. Et cette coexistence-là n'est considérée pas un obstacle, étant entendu que la Convention de Vienne sur le droit du travail a réglé cette question. Donc, le traité qui va être signé, sinon l'acte qui viendra postérieurement à l'ordre, pourra s'appliquer. Il n'y aurait pas de difficulté au regard de cette question telle que relevée par le professeur Yaya Moudian de l'Université de Tchèque-Antanio. J'ai eu aussi à comparer les différentes législations, j'ai dit les législations congolaises, sénégalaises et camerounaises, avec comme but de permettre à ce que ces législations servent de matrice à l'acte uniforme. Matrice, on peut rapprocher ces différents textes de loi pour nous permettre d'aboutir à un acte uniforme qui est d'ailleurs une nécessité aujourd'hui. Et c'est au regard des conclusions de la 47e session de la conférence des ministres de l'OADA qui a aussi préconisé dans les années à venir la nécessité de réglementer le crédit bail dans l'espace communautaire. Donc c'est une nécessité, cette question-là. Alors donc en analysant ces différents textes de loi, la loi camerounaise, congolaise, j'ai eu à remarquer que certains textes ont une certaine avancée par rapport aux autres. Sur le cas du texte de loi sénégalais qui est très avancé par rapport au texte congolais, en ce que ce texte me paraît beaucoup plus complet. La loi congolaise, par exemple, sur le crédit bail, n'a pas organisé la question de la responsabilité des partis lors de la gouvernance. C'est qui, naturellement, sous le contrôle de Madame la Présidente spécialiste du droit civil et des obligations, c'est qui, naturellement, va nous renvoyer à certaines dispositions de droit commun. Je trouve quand même ça, je trouve quand même ce vide comme une fissure sur le plan, sur le plan législatif. Et donc, en rapprochant ces textes, nous avons pu requérir certains éléments très positifs, des avancées, et qui nous ont permis de proposer, sinon de contribuer pour une réglementation communautaire du crédit bail, ce qui viendrait davantage résoudre le problème de disparité de textes. Le droit OADA a comme vocation de simplifier les règles en matière de droit des affaires. Alors, évoluer de cette manière nous mettrait devant plusieurs difficultés liées notamment aux règles applicables lors de la surveillance de litiges, s'agissant spécialement du crédit bail transfrontalier. Le cas d'un crédit bailleur congolais qui entrerait en relation juridique ou d'affaires avec un crédit preneur ivoirien, lorsque naîtra un problème, il y aurait un problème de la loi applicable, le problème en droit des affaires. J'ai entendu qu'en droit commun, le problème est résolu à travers le recours au droit international privé. Et pourtant, la dynamique du droit des affaires ne voudrait plus qu'on recourt régulièrement aux règles de droit commun, qui sont quelque peu sévères, sinon lourdes dans l'application, sinon dans la résolution des conflits naissant des rapports entre parties intervenant dans cette opération. Donc nous pensons que la réglementation communautaire du droit OADA viendrait résoudre cette question de la disparité des textes. Non seulement que cette réglementation va résoudre la question de la disparité des textes, c'est là que nous allons rapidement aborder la question, la deuxième partie, la partie relative à la fiscalité, mais ça nous permettra d'entrevoir déjà des problèmes à venir par rapport à la sécurité fiscale de l'investissement de l'opération. Parce que dans le cas des opérations transfrontalières, naturellement, il naîtra des problèmes de fiscalité. La fraude fiscale, la double imposition internationale, mais aussi les questions d'évasion fiscale. Et donc, il était important que non seulement on puisse réfléchir sur la réglementation communautaire, mais aussi qu'on voit dans quelle mesure on peut prévoir la signature des conventions fiscales pour mettre fin, sinon pour déjà prévenir les questions de double imposition fiscale internationale devant naître. Mais aussi, il est important pour nous de signaler et de relever qu'alors qu'il est, la fiscalité du crédit bail demeure une fiscalité de droit commun. Ce qui constitue l'un des soucis pour les investisseurs à intervenir, sinon à venir opérer dans ce secteur. À l'instar du droit sénégalais, le législateur sénégalais a prévu un certain nombre de textes de fiscalité pour inciter
inciter à l'investissement. Ainsi, par exemple, en droit sénégalais, l'on va prévoir une exonération de l'impôt foncier s'agissant du crédit bail immobilier. Et donc, pendant toute la période non révocable de l'exécution du contrat de crédit bail, on ne paierait pas l'impôt foncier. Je pense que cette solution est très utile, peut davantage inciter les opérateurs à investir dans ce secteur. Il suffit de faire juste des statistiques. J'ai été au guichet unique. Je pose la question au directeur général du guichet unique sur le nombre d'enregistrements de crédits, des opérations de crédit bail au guichet unique. Jusque-là, aucun crédit bail n'a été enregistré au RCCM. Mais la raison est simple, mais parce que la fiscalité est tellement sévère à ce jour que les investisseurs hésitent encore de venir placer leur argent dans un tel secteur. Et nous saluons, bien que tardivement, la prise de l'instruction du gouverneur de la Banque centrale pour l'exécution de la loi sur le crédit bail. La loi qui est prise en 2015, mais dont l'exécution arrive en 2018. Et donc voilà encore d'autres raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui, les opérations de crédit bail ne soient pas suffisamment sécurisées à l'échelle nationale. Et cela peut aussi être envisagé, peut être aussi admis dans d'autres États comme le Sénégal et le Cameroun qui organisent le crédit bail. Donc voilà, Madame la Présidente, Monsieur le membre du jury, de façon vraiment brève, le contenu de notre thèse de la dissertation doctorale que nous proposons de soumettre à votre examen afin que lors des questions que vous allez nous poser, nous puissions davantage avoir des matières qui pourront nous permettre de nous améliorer dans l'avenir. Je dis et je vous remercie. Que nous allons économiser pour nous permettre d'avancer. Nous allons passer à la deuxième partie après cet exposé qui concerne les évaluations et les observations des membres du jury. Chaque membre du jury aura 10 minutes pour poser ses questions et émettre les observations et les récipiendaires 5 minutes pour y répondre. Nous commençons avec le professeur Sakata. Chers collègues, vous avez la parole. 10 minutes pour vos observations et questions éventuelles. Merci, Madame la Présidente, Madame Boyen, pour la parole que vous m'accordez. Féliciter le doctorant pour la maîtrise du sujet dont il a fait preuve lors de ce exposé. Même si j'avais peur un peu qu'il puisse dépasser le temps, il s'est ressaisi et a bien conclu. Nous avons là la manifestation d'un candidat qui maîtrise le sujet qu'il a abordé depuis quelques années et dont il va certainement en être un spécialiste par un diplôme supplémentaire éventuellement dans les heures. Bravo sur cet aspect. Alors, je suis également heureux parce que, après avoir relu votre travail, j'ai bien vu que vous aviez apporté les remarques nécessaires qui vous avaient été formulées lors de la défense privée, parce que vous avez d'ailleurs établi un tableau d'insertion, ce qui m'avait permis de comprendre que les remarques que j'avais suggérées ont été bel et bien insérées, non pas par plaisir, mais parce qu'elles étaient pertinentes. Il faut encore féliciter. Alors, j'en viens à la problématique de votre sujet. J'ai bien compris, et c'est comme ça que j'ai toujours compris votre problématique, c'est que vous estimez que le caractère de plus en plus transfrontalier du contrat d'usine, dont les parties sont constituées dans un triptyque, les crédits bailleurs d'une part, les crédits preneurs d'autre part, et le fournisseur enfin, peut faire en sorte que l'un ou l'autre ne soit pas dans le même état. De sorte qu'en cas de survenance d'un problème, il devient difficile de résoudre cela en rapport avec une seule loi nationale. De sorte que vous estimez finalement qu'il faudrait que l'OADA puisse instituer
un acte uniforme pour que ce type de questions soient résolues non plus au niveau national, mais au niveau communautaire. Quel est, si j'avais très bien compris, si j'ai encore bien compris, la problématique importante que vous avez posée. Alors, mais moi maintenant, la question que je voudrais vous suggérer, c'est la réflexion que je veux vous suggérer. C'est que, quelque part, vous avez affirmé que contrairement aux pays européens, les pays de l'Afrique tardaient des pieds pour la mise en application ou la mise en œuvre de la technique des pédures. Ce que je comprends dans ce que vous avez dit. Alors, mais, commençons par les débuts. Le crédit bail est un contrat voulu. C'est un contrat. Le contrat relève de la volonté des parties voulues, de la volonté des parties, donc de leur mise d'examen. Qu'est-ce qui ferait que les pays de l'espace OATA, dont les conditions de conclusion de contrat sont libres, ne mettent-ils pas en branle cette technique? Ils doivent attendre forcément un cadre communautaire pour devoir exercer. Ça, c'est ma première piste d'observation. Quels sont les obstacles qui empêchent les pays de l'espace OADA d'enclencher des processus pour la mise en œuvre des pays? Deuxième préoccupation que je voudrais vous suggérer, et j'ai bien, et vous l'avez certainement relevé, c'est que vous avez fait un distinguo entre les crédits bail et la vente à tempérament, la location-vente et la vente à rien. Très bien. Vous avez déjà répondu d'ailleurs à une question que je voulais vous suggérer. Maintenant, à la suite, je voulais savoir, au regard de tous les contrats que vous avez cités, est-ce que les parties au contrat de leasing peuvent lever une option d'achat avant la fin du contrat? Est-il possible pour ces parties de lever une option d'achat avant la fin du contrat? Et la dernière question, que je vous avais déjà posée lors de l'épreuve privée, c'était de m'établir, vous avez fleuré ça lors de votre exposé, une véritable différence entre le crédit bail, le contrat d'exil, et la cession bail qui est l'église bail. Quel est vraiment le point fondamental de différence, parce que même notre législation semble rapprocher les deux groupes, en prévoyant d'ailleurs un bref article pour l'église bail sans en développer davantage. Alors, quelle serait, donc, selon vos recherches, la différence qui résulte à les autres? Madame la Présidente, je crois que j'ai fait une réserve en 4 minutes. Je remets à votre charge. Merci. Merci, collègues. La parole au doctorant Alexis Gardel. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Et je remercie M. le professeur Sankata pour la pertinence de ces questions. Je vais tenter d'y apporter les réponses. Par rapport à la première question, pourquoi attendre une réglementation communautaire alors que le contrat est l'expression de la volonté des parties? Nous pensons que le crédit bail étant un contrat spécial, occasionnant des grands mouvements de capitaux, il est important qu'il y ait une législation sur la question, encore que certaines lois l'ont déjà annoncé. C'est le cas de la loi de 2002 sur les établissements de crédit qui a annoncé le crédit bail comme une forme de crédit. Et aussi, le législateur OADA lui-même a annoncé le crédit bail comme opération susceptible d'être enregistrée au RCCM. Alors, pour les investisseurs, les opérateurs économiques, venir investir dans un pays, dans ce secteur, pendant que la loi n'est pas organisée, la loi n'organise pas cette opération, cela constitue quand même une insécurité. Insécurité vis-à-vis non seulement des opérateurs, mais aussi des personnes qui sont censées dire le droit. Il y a eu une jurisprudence que j'ai évoquée dans la thèse, je crois en 2008, au tribunal de commerce de Kinshasa-Matete.
Le juge a été saisi d'une question relative au crédit bail. Il y a une compagnie d'aviation qui aurait donné son avion, un appareil, à une autre qui devait l'exploiter. Alors, vu que la partie dite crédit preneur n'ayant pas été à la hauteur de l'exécution de ses obligations, l'autre partie est allée effectivement devant le tribunal pour solliciter une injonction de restituer. Alors, en lisant cette décision, vous allez comprendre que lorsque le juge n'est pas formé sur la question du crédit bail, il y a possibilité, sinon il y a peur, que ce dernier puisse appliquer, sinon donner une décision de droit qui ne soit pas adéquate à l'esprit du crédit bail. Donc vous allez voir que le juge congolais l'avait qualifié de crédit bail, alors qu'il ne s'agit pas de crédit bail. Le crédit bail, naturellement, au regard de la loi, doit obligatoirement passer par l'établissement financier. Et moi-même, je suis dans une opération, j'ai acquis un bien mobilier qualifié de crédit bail, abusivement de crédit bail par celui avec qui j'ai eu à traiter. Je comprends effectivement qu'il y a un problème dans la compréhension du mécanisme de fonctionnement. Et la loi, ici, serait importante pour venir régler ces différentes questions pour que l'on sache comment effectivement fonctionne le crédit bail et quelles sont les obligations des différentes parties. La loi viendra davantage compléter la volonté des parties. Donc, c'est une volonté des parties qui sera codifiée dans la loi pour sécuriser davantage les opérations. Raison pour laquelle je pense qu'il est important que le secteur communautaire puisse organiser cette question. D'ailleurs, dans la philosophie de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, le législateur Ouada n'a pas réglementé cette question parce que déjà la majorité des États membres de l'UEMOA qui bénéficiaient d'une législation communautaire du crédit bail dans l'UEMOA n'avaient plus besoin des nouvelles actes sur le crédit bail. Mais aujourd'hui, avec l'adhésion d'autres pays comme la RDC et certains autres qui viennent, qui ne sont pas membres de l'UEMOA, je pense qu'il y aurait plusieurs problèmes pouvant être posés en termes de résolution de conflits s'agissant du crédit bail transfrontalier. Voilà, simplement, je pense qu'il est important qu'il y ait une législation communautaire sur la question. La deuxième question, vous voulez savoir, M. le professeur, si les parties au contrat de leasing peuvent lever une option d'achat avant la fin du contrat. Parfois, le principe, non, parce qu'il y a une période irrévocable pendant laquelle le contrat doit être exécuté. Par voie de principe. Par ailleurs, étant donné que nous sommes dans un domaine de droit privé, les parties peuvent, on ne peut pas s'imaginer que les parties ne puissent pas s'entendre, peuvent s'entendre. Par voie de principe, pendant la période irrévocable, il n'est pas possible de lever une option d'achat. Parce que il est question aussi de faire la comptabilité de la valeur résiduelle du bien. Il y a la comptabilité qui intervient. Raison pour laquelle la loi prévoit cette période irrévocable pouvant permettre à ce que le crédit preneur qui voulant lever l'option d'achat puisse se rendre compte de la partie, la valeur résiduelle nous permettra de solder en vue d'acquérir définitivement le bien. Vous voulez savoir aussi si je pouvais établir la différence entre le crédit bail et le leasing? Oui, effectivement. Je me suis référé, et le leaseback, je me suis référé à votre ouvrage, monsieur le professeur. Votre ouvrage sur les contrats commerciaux, où vous avez effectivement établi la différence. Mais je retiens que la plus grande différence est au niveau des parties qui constituent ces différents contrats. Dans le crédit bail, je dis qu'il est vrai qu'à la conclusion, il y a deux parties qui interviennent, mais dans l'exécution du contrat de crédit bail, intervient une troisième partie qui est le fournisseur. Alors dans le leaseback, c'est une personne morale ou une personne physique qui est en besoin de financement, qui va auprès de l'établissement de financier, qui vend auprès de l'établissement de crédit bail son bien, pour lequel il va redevenir un crédit preneur avec possibilité d'en devenir encore propriété. Certains auteurs le qualifient tout simplement comme une variante du crédit bail. Voilà à vous, monsieur le professeur, les quelques éléments que je voulais apporter pour les différentes questions posées. Chers collègues, Pascal Momapa pour son exposé magistral.
dans ses thèses, membre du comité d'encadrement, et donc je suis pas à pas l'étude de M. Pascal Beaumont, qui par ailleurs j'ai eu déjà dans ses études de licence en droit comme directeur de TFC de mémoire. Donc c'est un étudiant que je connais bien, un étudiant brillant. Je suis aussi content que vous ayez suivi les prescriptions du département qui vous obligeaient à présenter un tableau pour les corrections que vous avez apportées aux remarques que vous formulez lors de la soutenance privée. Et je pense que vous l'avez compris, c'est plus facile à vérifier lorsque vous allez chez chacun de nous et vous indiquer que chacun avait fait telle et telle remarque et que cela a été corrigé. Alors moi je voudrais aller plus dans le sens de l'internationalité, donc à considérer les aspects de droit du commerce international dans l'étude. C'est juste pour vérifier parce que donc je fais bien évidemment les conclusions auxquelles vous êtes arrivés pour avoir suivi avec votre directeur, le professeur Collat, votre étude. Voici la première question que je vais poser de deux manières. Cela peut vous permettre davantage d'en saisir la quintessence. Votre exposé a donc fait état du problème de loi applicable entre parties au contrat crédible. Surtout lorsque leurs États sont signataires de plusieurs traités relatif à la question, comme le Kélibac, mais au regard des sous-régions existantes dans le monde. Donc forcément, il y a un élément d'extranéité. Alors voici la question. Quelle est la première règle applicable qui pose moins de problèmes? Donc lorsqu'on fait résoudre cette question, quelle est la première règle applicable et qui poserait moins de problèmes aux parties et qui obligerait les parties à éviter le recours à la loi de conflit des lois qui résulterait de l'application de la logique du droit international privé. Cette règle là serait la plus simple, au lieu que les gens cherchent à comprendre quelle est la loi applicable, mais ils auraient pu recourir à cette règle qui est la plus simple pour éviter les problèmes. Alors, voilà la deuxième variante de la même question qui peut paraître plus claire et simple. Dans quelle hypothèse peut-on faire application des règles du droit international privé dans le domaine des affaires sur le plan du commerce international? Voilà. Donc si on choisit cette façon de faire, alors nous n'entrons pas dans le débat du droit du commerce international qui, parfois, lorsque justement ce qui a été choisi n'est pas là, nous obligerait de recourir au droit international privé. Alors justement, maintenant, une deuxième question d'application de cette première question. Comment résoudre le conflit qui résulterait de l'application des règles de l'UMOA sur le crédit bail d'un côté de la Convention d'Ottawa 1988 sur le crédit bail de l'autre côté dans un État membre de l'UMOA et de l'OADA mais il a ratifié la convention d'OADA. Et la dernière, c'est une question de compréhension. Quelle différence faites-vous entre
le droit et l'espace au Allah. Et le droit de l'OAD. En d'autres termes, que restera-t-il si on soustrayait le droit de l'OAD du droit de l'espace OAD? Voilà, Madame le Président Jury, mes trois petites vérifications. Merci. La parole au doctorant. Merci Madame la Présidente pour la parole. Et je remercie aussi Monsieur le Professeur pour les questions posées pertinentes posées et pour lesquelles je vais également proposer des réponses. S'agissant de la première question qui est relative à l'internationalité de l'opération du Crédit Bail, le professeur voudrait savoir dans quelle hypothèse on peut faire appliquer les règles de droit des DIP dans le commerce international, selon ma compréhension. Monsieur le professeur, le principe est que le droit du commerce international constitue une exception au droit international privé. Et en droit du commerce international, le principe, permettez-moi encore la tautologie, c'est la liberté des parties, la volonté des parties. Donc, même si c'est un contrat ayant les aspects du droit international privé, le principe, les parties peuvent convenir des règles de résolution de leur projet, de leur litige. Par ailleurs, le DIP peut intervenir en l'absence de la volonté entre parties à régler leur litige. C'est à ce moment-là que le DIP, comme dispute de droit commun, va intervenir en l'absence de règles spéciales. C'est comme ça que j'entends répondre à cette question. Quant à la deuxième question, comment résoudre les conflits de règles de l'IMOA et la Convention d'Ottawa? Les prémices de la réponse à donner consistent à donner d'abord la nature de ces différentes conventions. L'IMOA, c'est un cadre beaucoup plus restreint. C'est un traité plurilatéral. Alors que la Convention d'Ottawa, il est multilatéral. Donc il y a un certain nombre d'États qui sont concernés par le traité de l'IMOA, alors que la Convention d'Ottawa ouvre la porte à tout État désireux d'y adhérer. Donc par voie de conséquence, les règles des conventions d'Ottawa sont censées l'emporter sur les règles de l'IMOA. Et donc, une fois le litige survient pour un ressortissant d'un pays membre de l'IMOA, mais lequel pays a ratifié la Convention d'Ottawa, la règle de solution pour donner une suite au litige naissant, naturellement, serait l'application de la Convention d'Ottawa de 1988. Troisième question, la différence entre le droit de l'espace OADA et le droit de l'OADA. Je connais le professeur Koumou par la pertinence et la technicité des questions qu'il nous a toujours posées depuis quand nous fûmes étudiants. Donc il n'est pas facile de répondre à cette question, mais je vais tenter d'y accorder, de lui apporter quelques éléments. À mon entendement, le droit de l'espace OADA est beaucoup plus étendu que le droit de l'OADA. Le droit de l'OADA, c'est le droit qui est cristallisé par les actes uniformes, tels que prévus à l'article 2 du traité de l'OADA. Alors que le droit de l'espace OADA concerne tout droit, toutes les législations des États membres de l'OADA. Voilà, en quelques mots, monsieur le professeur, les éléments que je voudrais apporter aux questions pertinentes posées par vous. Chers collègues, comme vous dites, je commence par féliciter le candidat pour son travail. Je lui avais fait parvenir mes observations par écrit. Et après
d'avoir consulté la dernière version de son travail. Je suis heureux de constater que toutes les observations ont été prises en considération. Sincère. La première à la suivante. Est-ce que vous avez tenté de faire une évaluation pour la RDC des avantages et des inconvénients de l'absence actuellement de l'acte uniforme transfrontalier? La deuxième question, quelles sont les chances pour que cet acte soit mis en place, sachant que les États membres s'approchent à leur législation fiscale locale, notamment directe, et aux conventions bilatérales. La dernière question. L'OADA est une structure parmi tant d'autres fonctionne au sein des ministères. C'est là que la présidence peut affecter le personnel à la RDC. Quels sont les avantages de la RDC? Petit, en président, merci. Collègues, nous donnerons à la parole la parole de Merci, madame la présidente, pour la parole. Et je remercie le conseil pour la rigueur avec laquelle il a eu à examiner le travail et les observations formulées lors de l'assurance privée qui m'ont permis de pouvoir m'améliorer et même dans l'avenir. Par rapport aux questions posées par le professeur, il veut savoir si je tentais de faire une évaluation à l'RDC de l'absence de l'acte uniforme. Je vais le dire tantôt là que je suis allé au guichet unique de création d'entreprise. J'ai rencontré le directeur général de ce guichet avec lequel je me suis entretenu. Ici, j'allais noter une faible, un faible investissement, sinon pratiquement une quasi-inexistence de l'investissement tourné vers le crédit bancaire en République démocratique du Congo, notamment en raison de la non-vulgarisation de cette opération et même de la loi, mais aussi au caractère tardif qu'a pris l'instruction du gouverneur de la Banque centrale pour appliquer la loi. Donc, alors qu'il est, étant donné, jusque-là, nous n'avons pas encore enregistré une opération de crédit bail au guichet unique, il est très difficile pour nous d'évaluer l'absence d'un acte uniforme. Et c'est en perspective, comme scientifique, nous nous disons que le problème se posera dans l'avenir, une fois on arrivait à enregistrer une opération transfrontalière du crédit bail. Ce problème, c'est par rapport à la loi applicable. Et vrai, comme l'a dit le professeur Sakat et le professeur Koumou, il y a l'autonomie de volonté du parti. Et cette autonomie de volonté doit être encadrée pour éviter que le juge qui est censé dire le droit ne puisse pas se compliquer. On peut noter que dans le système judiciaire congolais, peu de juges, sans avoir l'intention de faire une procédure d'enfant, il y a moins de juges spécialistes sur des questions du droit des affaires. Donc il est important que les juges soient informés, qu'ils aient un guide technique qui est cette loi devant leur permettre à bien dire le droit. Et cela constituerait aussi un élément, un pas important pour la sécurité des affaires. La deuxième question, quelles sont les chances pour que cet acte uniforme soit mis en place, sachant que les États s'accrochent à leur fiscalité interne? Oui, il y a une chance que ces États puissent... Il y a une chance que l'acte uniforme soit mis en place d'abord et par la volonté de la conférence, sinon des institutions de l'OADA. J'ai eu à relever qu'à la 47e session de la conférence des ministres de l'OADA, tenue à Brazzaville, comme recommandation faite notamment des réflexions sur un acte uniforme portant relatif au crédit bail. Alors, s'agissant de l'aspect fiscal, il est vrai qu'il y a le principe matriciel de la souveraineté fiscale que les États, sur lequel les États s'accrochent. Mais aujourd'hui, pour des besoins de développement économique, ce principe n'est plus absolu.
Aujourd'hui, les États cèdent une parcelle de leur souveraineté pour permettre à ce que l'on puisse faciliter les opérations. Raison pour laquelle, par exemple, le cas de l'Union européenne, j'ai évoqué le cas de l'Union européenne, qui n'a pas une législation unique, mais qui prend les directives, que les États sont censés suivre pour le rapprochement, de certains taux d'imposition. C'est le cas même à l'UMOA. À l'UMOA, ils ont une directive sur le rapprochement de la taxe sur la valeur ajoutée. Une directive qui donne les minima et même le maximum. Voilà. Et donc je pense que dans le cas de l'OADA, il ne serait pas empêché que les États renoncent partiellement à leur souveraineté fiscale en ce qui concerne principalement les impôts indirects. Les impôts indirects. Et cela pourrait faciliter les opérations transfrontalières du crédit bail. D'ailleurs, nous préconisons la signature de conventions fiscales bilatérales, mais aussi, j'ai eu à évoquer l'adhésion par les États membres de l'OADA à l'initiative BEPS pour faciliter davantage l'échange des renseignements devant aboutir à l'élimination de toute tentative d'érosion fiscale. Et la troisième question, l'OADA qui a une structure autant que l'autre de l'Union africaine, quelle est la chance, quels peuvent être les avantages du fait que le président de la République est président de l'Union africaine? Je pense que l'Union africaine, prise de façon isolée, n'a pas les mêmes règles de fonctionnement que l'OADA. Il est vrai que l'OADA a comme finalité, c'est de pousser vers l'intégration africaine. Je ne pense pas que par la présence du président de la République, qu'il y ait un avantage quelconque, étant donné que l'OADA fonctionne selon ce principe. Par ailleurs, comme président de l'Union africaine, il peut politiquement booster et voir comment est-ce que booster les États à davantage adhérer à l'Union, à l'Organisation pour la mobilisation de l'Afrique des droits d'affaires, qui est un instrument d'intégration. Donc c'est dans cette perspective que je pense qu'il y a possibilité politiquement de booster les États à adhérer afin d'avoir un droit harmonisé, sinon uniforme, devant aboutir à l'intégration africaine. Chers collègues, je voudrais revenir sur trois petites questions. La première, c'est de savoir pourquoi vous plaidez pour un acte uniforme, quelle serait sa spécificité, pourquoi un acte uniforme au hasard, alors que nous avons d'autres instruments juridiques qui peuvent amener des solutions. Nous avons d'abord la législation dans chaque pays a sa législation sur la question. Nous avons la Convention internationale d'Ottawa de 1998. Et nous avons les règles de droit international privé qui peuvent résoudre la question. Certains autres pays sont dans l'UEMOA, comme vous l'avez dit, ils ont leur législation. Quel serait donc l'intérêt, la spécificité d'un acte uniforme OADA qui est l'objet de votre thèse de doctorat, n'est-ce pas? Alors, la deuxième question est de savoir, aujourd'hui, comme il n'y a pas encore l'acte OADA, en RDC, nous avons notre législation. En cas de problème, quelle serait la juridiction compétente aujourd'hui? S'il existe effectivement, vous avez le dit, s'il existe dans les pays des contrats de crédit bail, s'il en existe. S'il en existe pas, en cas d'hypothèse d'école, quelle serait la juridiction compétente? Et troisièmement, le crédit bail est un contrat. Étant un contrat, il y a le problème d'exécution des obligations. Nous avons l'hypothèse où le preneur, c'est l'utilisateur, ne respecte pas ses obligations, notamment il ne garde pas les biens en bon père de famille, il ne paye pas le loyer. Que prévoit la législation en la matière? Voilà les trois questions, je vous repasse la parole. Merci Madame la Présidente pour les questions également très pertinentes qui nous permettent d'approfondir davantage la réflexion. La première, pourquoi je plaide pour un acte uniforme ou alors que nous avons d'autres instruments au niveau du pays, nous avons la législation, nous avons la Convention d'Ottawa et tant d'autres.
Oui, Madame la Présidente, je plaide, sinon je contribue à la réflexion sur un acte uniforme pour une raison principalement, c'est la disparité des textes de loi pouvant créer un problème dans la loi applicable. Je vais m'expliquer. L'article 3 de la loi congolaise sur le crédit bail prévoit la possibilité de faire des opérations transfrontalières du crédit bail. C'est-à-dire une opération qui mettrait en mouvement deux parties, une partie qui se situerait en RDC, le crédit bailleur par exemple, et une autre partie qui se situerait en Côte d'Ivoire. Dans l'exécution du contrat, là je reviens aux règles du droit commun, il se poserait un problème lorsque naîtra le litige. Il est vrai, comme l'a dit le professeur Koumou, que dans le commerce international, il y a aussi la volonté des parties. Mais les parties peuvent aussi ne pas prévoir la volonté. C'est à ce moment-là que naîtra le véritable problème. Raison pour laquelle je pense qu'il est important que nous ayons une réglementation. D'ailleurs, le législateur Ouada nous a déjà précédé lorsqu'il prévoit dans l'une de ses dispositions, de l'acte de fonds porté sur le droit commercial général, prévoit l'inscription. Et même là, j'ai eu à critiquer que le législateur Ouada, apparemment, ne fait pas le distinguo entre le crédit bail mobilier et immobilier. Lorsqu'il demande, le législateur Ouada demande l'inscription au RCCM. Alors qu'ailleurs, au Sénégal, dans la loi sénégalaise, clairement on dit que le crédit bail mobilier, celui-là qui est reçu en inscription au RCCM, alors le crédit bail immobilier est censé être enregistré au cadastre foncier, au regard de tous les effets qui peuvent en découler. Donc moi je pense qu'il y a intérêt aujourd'hui que nous puissions avoir un acte uniforme qui viendrait, dans la perspective de l'OADA, simplifier le règle, qui viendrait protéger davantage les opérateurs économiques dans ce secteur. Et donc, bref, cet acte uniforme viendrait inciter les opérations transfrontalières du crédit bail. Une autre raison, Madame la Présidente, dans l'état actuel de la situation économique du pays, sans pourtant faire un procès d'intention aux établissements financiers, il est difficile d'identifier un établissement financier au Congo qui peut faire atterrir à l'État congolais 20 aéronefs par exemple. J'ai dit très difficile. Aucun procès d'intention, 20 aéronefs. Bref, des objets mobiliers comme immobiliers de très grande envergure pouvant booster le développement économique. Mais en prévoyant les opérations transfrontalières, il y a possibilité pour les États qui sont déjà dans le crédit bail, comme le Sénégal et le Cameroun, il y a possibilité d'identifier une société qui peut permettre à un opérateur économique, personne physique ou morale, d'acquérir un bien mobilier comme immobilier. Donc je pense qu'il y a intérêt. Et l'autre intérêt, c'est par rapport à la rentabilité, Madame le Professeur, par rapport à la rentabilité de l'opération. Il est vrai que l'on va sécuriser les opérations transfrontalières, mais encore que les États s'entendent pour résoudre les problèmes de fiscalité qui pourront éventuellement se poser. Les problèmes de qui doit amortir, par exemple, s'agissant de l'impôt sur le bénéfice professionnel. Qui doit amortir? Parce qu'aujourd'hui, avec l'OADA, il y a la prédominance de la réalité économique sur la réalité juridique. En droit OADA aujourd'hui, c'est l'utilisateur effectif du bien, donc la propriété économique, qui est censé amortir le bien. Mais il y a possibilité qu'un ressortissant congolais entre en opération avec un pays non membre de l'OADA, où il y a par exemple la prédominance juridique sur la réalité économique. Il se posera un problème. Donc, avec possibilité de payer l'impôt professionnel sur le bénéfice en RDC et le payer encore dans cet autre pays. Et donc toutes ces questions-là nous renforcent notre thèse pour une réglementation communautaire de cet instrument qui n'évolue pas seulement par rapport à la sécurité juridique, mais aussi par rapport à la rentabilité qui met en mouvement les aspects comptables et les aspects fiscaux. La deuxième question aujourd'hui en RDC, quel est le juge compétent? Si je dois m'appesantir sur le fait que le crédit bail c'est un contrat commercial, je suis tenté de dire que le tribunal de commerce est le juge compétent sur la question liée au litige relatif au crédit bail. Troisième question, le crédit bail comme contrat. Il est vrai qu'il y a exécution des obligations entre parties, mais quid de l'exécution?
J'ai lu la loi congolaise sur le crédit bail, qui n'est pas suffisamment étoffée par rapport à cette question. Mais la loi sénégalaise renvoie aux règles de droit commun. L'exception non a des plaintes qui contractent tous. L'exception d'une exécution qui peut entraîner, sous votre contrôle, la résolution, par exemple, du contrat. La résolution du contrat. Voilà, Madame la Présidente, quelques éléments qui apportent aux questions posées. Merci. Oui, il y a une jurisprudence que j'ai eu à remettre. Les cas de crédit bail des sociétés qui l'ont déjà. En tout cas, à la dernière vérification que j'avais, il n'y a pas encore une société typiquement qui fait le crédit bail. Parce que... Ok, merci. Oui. Je voulais savoir. Merci. Professeur Kola, vous avez la parole. Comme vous avez remarqué, je commencerai aussi naturellement. Je ne vais pas jeter des fleurs au doctorat. Non seulement pour ses prestations, nous avons tous remarqué que le doctorat en Goma, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a eu à faire un exposé magistral à ce niveau de doctorat, ce n'est pas souvent donné. Un exposé magistral. Et nous avons tous remarqué aussi, il est courtois dans ses éléments de réponse. Courtois. Façon de se comporter. Et aussi et surtout, n'est-ce pas, j'allais dire courageux. Avec, vous avez remarqué, tous les voyages effectués dans cet espace Ouada. Même s'il faut parler de trois Ouada en même temps, parce qu'il a eu aussi. N'est-ce pas, maîtriser pas mal d'actes, uniformes, qui touchaient de près ou de loin son sujet de thèse. Et comme on dit souvent, et Mother dit, courage, n'est-ce pas, c'est souvent le fait de chercher à aller vers l'idéal pour comprendre le réel. Et c'est ce qu'il a fait à travers sa dissertation. Il a fait à travers sa dissertation. J'avais seulement voulu que vous puissiez clarifier pour, n'est-ce pas, la bonne compréhension, mais dans vos éléments de réponse, cela m'a amené peut-être à ajouter une petite vérification. Parce que, comme le professeur l'a relevé, nous étions les encadreurs, et principalement, ce qui me concerne, le promoteur. Donc, j'ai eu suffisamment échangé avec vous. Nous en avons beaucoup parlé. Et vous avez fait montre encore tout à l'heure de la maîtrise, n'est-ce pas, des sujets. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons à l'RDC que la loi portant crédit bail date de 2015, presque 6 ans aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, votre réponse. Nos banques en général, on peut parler aujourd'hui des crédits bailleurs, n'y recourent pratiquement pas. Nous savons que nos pays en développement accordent souvent des crédits à court terme, crédits de trésorerie, de fonctionnement. Mais en ce qui concerne les crédits de production, c'est-à-dire pour notre développement, malheureusement, n'est-ce pas, cette loi n'a pratiquement rien apporté jusqu'aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez revenir sur ce qui s'est fait ailleurs, sur ce qu'on devrait faire. Si on doit réécrire cette loi, fiscalement parlant, que faut-il faire? On regarde notre législation. Et à la deuxième question, qui m'a, n'est-ce pas, inspiré à travers vos éléments de réponse de tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'amortissement. Et en même temps, nous sommes dans l'espace Ouada où on nous a toujours dit que c'est pratiquement, n'est-ce pas, de l'inspiration, le droit Ouada, de l'inspiration française. J'aimerais savoir, en ce qui concerne l'amortissement, quelle est aujourd'hui la vision, n'est-ce pas, de la législation française par rapport à la législation Ouada? Voilà les deux petites préoccupations. Juste pour la vérification, parce que je sais qu'on en avait déjà parlé, peut-être si vous pouvez aussi éclairer le public. Vous savez que le public vient aussi pour compléter les informations, pour apprendre.
On apprend toujours. Madame la présidente. Merci, cher collègue. Merci, présidente, pour la parole. Et je tenais particulièrement aussi à remercier mon promoteur pour l'accompagnement et surtout les différents échanges que nous avons eus et les questions pertinentes qu'il m'a posées. La loi congolaise sur le crédit bail est prise en 2015. Seulement en 2018, que le gouverneur de la Banque centrale prend une instruction pour l'application. Ça, c'est déjà un élément de fissure dans l'évaluation du crédit bail en République démocratique du Congo. Et maintenant, fiscalement, pourquoi les banques n'y recourent presque pas? Les banques ne recourent pas à cette opération, à ce mode de financement, en raison notamment de la fiscalité qui est très sévère, une fiscalité de droit commun. Il suffit de prendre l'IBP, chez nous qui est de 30% sous réserve, les taux, 30%, il y a la TVA, etc. Ailleurs, en droit sénégalais, il y a une exonération s'agissant de l'exécution. Les loyers payés pour le compte du crédit bail ne sont pas soumis à l'imposition. Alors que chez nous ici, ces loyers-là, qui ne sont pas des loyers au sens de la loi sur les baux à loyer, ces loyers sont soumis à la TVA, donc les 16%. Cela constitue une difficulté, sinon un frein, un sentiment de doute pour l'investissement. Parce que l'investisseur, quand il vient, il fait d'abord le tableau peint de la fiscalité du pays pour se lancer. Ça, c'est un des éléments très importants pour pouvoir permettre le dénouement de la situation. Donc, nous notons que nous n'avons pas une fiscalité incitative, contrairement au droit sénégalais, où ils ont eu à prévoir un certain nombre d'exonérations s'agissant des différents impôts que nous avons eu à renseigner dans la thèse. Mais aussi, il y a la non-vulgarisation. La loi congolaise, prise de façon isolée, a donné le champ libre à tout établissement de crédit. Dieu merci, cela a été corrigé dans l'instruction sur le crédit bail, qui conditionne l'accès, sinon la pratique de cette opération, à certains éléments. Et je pense que les conditions sont tellement sévères que toutes les banques ne vont pas y accéder. En droit français, par exemple, accède, sinon fait le crédit bail, un établissement financier spécialisé. Et ce, en raison du risque. Le crédit bail, qui est une forme de crédit, n'est pas assimilé à tous les crédits qu'octroient les banques. Parce qu'ici, avec le crédit bail, il n'y a pas de garantie. Le risque est très élevé. Et je ne vois pas des banques accéder si facilement, sans pourtant faire leur plein fiscal, avec possibilité soit de tomber en difficulté d'entreprise. Donc la fiscalité, c'est un élément majeur. C'est pourquoi nous avons insisté sur la rentabilité du crédit bail. Si on n'améliore pas la fiscalité, donc le crédit bail réglementé en RDC ne pourra pas produire ou accompagner le développement économique. Par rapport à l'amortissement, vous nous avez appris que l'amortissement est une notion de comptabilité, mais aussi fiscale, parce qu'elle intervient dans l'appréciation de la matière imposable à prélever pour certains impôts, principalement l'impôt sur les bénéfices professionnels. Contrairement au droit français, il s'agit de distinguer en matière d'amortissement deux notions. Il y a la propriété économique et la propriété juridique. Il y a des pays, pour la plupart des pays de culture romano-germanique, où l'on utilise la propriété juridique, c'est-à-dire amortir les propriétaires du bien. Et être propriétaire du bien, dans le cas d'espèce, le crédit bailleur, l'établissement financier. Or, l'établissement financier n'exploite pas le bien. Raison pour laquelle, dans le pays de culture, c'est droit anglo-saxon, il y a prédominance de la réalité économique sur la réalité juridique. Et c'est cet aspect-là auquel le législateur WADA a adhéré. Donc aujourd'hui, le droit WADA s'est penché vers le droit anglo-saxon en ce qui concerne les aspects comptables et principalement la question liée à qui doit amortir. Le droit WADA aujourd'hui consacre la propriété juridique
qui domine sur la propriété, et la propriété économique qui domine sur la propriété juridique. Donc c'est une innovation même de cet acte uniforme sur la comptabilité d'entreprise et information financière. Donc voilà un peu, monsieur le professeur, le quelques éléments que j'essaie d'apporter aux questions posées. Chers collègues, vous avez la parole. Je suis tout à fait satisfait. Je voudrais, au regard de ce qui a été dit par vous-même et tout le monde de ce jury qui m'ont précédé, remercier vivement le doctorant assistant du Pascal Goma-Cordou et rajouter un élément à son actif, c'est que, outre le fait que, à l'occasion de tous les échanges que nous avons eus en soutenance privée, il a non seulement intégré les correctifs et aménagements nécessaires, mais aussi, pour la dernière version qui nous a été remise, nous avons reçu la page Pirata qui, effectivement, donne un manuel des statistiques régionales sur l'évolution du crédit bail immobilier en Afrique depuis 2017 autour de la Société financière internationale. Et il a essayé de faire un certain nombre, un classement de 10 pays africains au regard de leur potentialité en matière de crédit bail. C'est encore un plus, donc, un actif par rapport à ce qui a été demandé à l'assistant Goma Pantu à cet effet. Je voudrais effectivement, parce qu'il le dit lui-même aussi, dans ce texte au niveau de son épigraphe, que la beauté d'un droit ou du droit ne repose pas dans son architecture, mais plutôt dans l'efficacité que celui-ci a ou contient dans le cadre de solutions aux problèmes réels et éventuels qui se posent au sein de la société. Partant de cette réalité, je voudrais que le doctorant nous atteste ce que nous vivons chez nous. C'est que nous sommes dans une hypothèse du crédit bail, ici exclusivement en ce qui concerne les aspects financiers. Ce crédit bail est un mode de financement. Ce mode de financement doit reposer naturellement sur un système financier sécurisant dans le cadre juridique attractif. À quoi la confiance? Oui, je suis, c'est dans la question, madame, excusez-moi. Je suis dans la question et ça va découler de là. Donc, ce mode de financement-là qui doit sécuriser les investisseurs n'étant pas très attractif chez nous en République démocratique du Congo, parce que c'est cela qui se présente au-delà de tout ce que nous avons comme potentialité. Quel plaidoyer autour de ce qui vient d'être posé comme tableau, quel plaidoyer as-tu préconisé pour pouvoir rentabiliser et sécuriser le crédit bail chez nous en République démocratique du Congo, quand on sait qu'il est non réglementé par l'OADA, mais la République démocratique du Congo a quand même des bruits de textes dans ce domaine, d'une part, et d'autre part, est-ce une deuxième question, évidemment. Est-ce une erreur de logistique? Pourquoi avoir pensé dans l'acte uniforme de l'OADA relatif au droit commercial général, par exemple, l'article 35-36, où les dispositions parlent de l'enregistrement des opérations du crédit bail au registre du commerce et du crédit immobilier, d'une part, et que d'autre part, le législateur, en ce qui concerne le domaine financier, bancaire, la loi de 2002, à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, cite parmi, effectivement, les opérations consacrées, le crédit bail, alors que nous sommes membres de l'OADA, d'une part. Madame la Présidente, et je tiens à remercier le professeur Louaba qui a été un grand apport dans la compréhension des mathématiques, étant donné que les questions liées au financement nous tiennent à cœur aussi. Alors, le professeur voulait savoir si quel est le plaidoyer, je résume, pour l'effectivité du crédit bail au regard de notre environnement financier en République démocratique du Congo. Je note d'abord qu'il revient à la Banque centrale de pouvoir vulgariser la loi sur le crédit bail. Il faut la vulgarisation pour que même le consommateur du crédit bail, que sont les opérateurs économiques, personnes physiques ou morales, soit suffisamment informé sur le mécanisme de ce financement. Parce que ce financement a fait ses preuves ailleurs, aux États-Unis par exemple. Jusqu'aujourd'hui, le crédit bail est considéré comme un palliatif au marché financier. Dans des pays comme le nôtre qui n'organisent pas encore de marché financier réglementé, le crédit bail c'est un pis-aller pour le financement. Et même le pouvoir public peut s'en servir pour financer certains besoins d'intérêt économique. Donc la vulgarisation.
va falloir que l'on vulgarise, mais aussi que le secteur financier soit suffisamment sécurisé et organisé pour permettre à ce qu'il constitue un matelas sur lequel viendra se poser le Crédit Bail afin d'attendre lui un succès dans le tissu sur le développement économique de notre pays. Alors, la question sur est-ce qu'il y a une erreur de légistique ? Justement, monsieur le professeur, dans mes recherches, dans ma réflexion, je me suis posé aussi la même question. Comment est-ce que la loi de 2002 prévoit le Crédit Bail comme une forme de crédit ? Et c'est seulement en 2015 qu'on a une loi. En ce temps, les différences de l'acte de forme révisé, tout comme l'ancien acte de forme portant sur le droit commercial général, a prévu l'enregistrement. L'enregistrement des opérations du Crédit Bail au RCCR. Cette question, je l'ai posée auprès des spécialistes d'autres pays, comme au Sénégal, qui sont dans l'UEOA, pour qu'ils m'expliquent un peu cet état des choses. Il y a le professeur Yaya Baudet qui me dira, justement, le législateur Ouada avait été face à une difficulté. Parce qu'au départ, l'UEOA qui a précédé l'Ouada a prévu une législation en son sein sur le Crédit Bail. Alors, c'est dit que organiser immédiatement le Crédit Bail dans l'espace Ouada peut faire un double emploi. Et pourtant, c'est quand même une erreur nécessaire parce que l'Ouada, sur le plan de la nature juridique, n'a pas la même nature juridique que l'IMOA. Donc, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que c'est un problème, c'est une difficulté. Renseigner la possibilité de faire des opérations transfrontalières du Crédit Bail. Parce qu'en réalité, en prévoyant à l'article 35-36 l'enregistrement des opérations de Crédit Bail au SSR, l'OADA ouvre la porte aux États membres d'organiser le Crédit Bail sur leur système interne. Et cela vient effectivement créer la problématique même de ma thèse. La possibilité la problématique de la disparité des textes de loi pouvant aboutir à d'énormes difficultés pour les opérateurs économiques. Voilà, monsieur le professeur. Ok, merci. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour l'éclairage au jour. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. C'est ouvert, j'attends la parole à la présidente. Je vais pour la promotion des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, M. Noma Panzou, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Roma Panzou, a réussi avec la mention la plus grande victoire. Le recteur de l'Université de Kinshasa a bien vouloir conférer le grade de docteur en droit au candidat précité. Fait à Kinshasa le 4 mars 2021, la présidente du jury, professeur Kenge Ngomba Chilomba. Nous, professeur Estache Pandasoma Fungua, agissant au nom du directeur de l'Université de Kinshasa, mais le procédeur par du jury, chargé de procéder à l'examen de la tête de M. Ngoma Panzou, en vue de l'obtention du grade de doctorat en droit. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 0421, nous avons un 10 du 3 octobre 1980 été modifié à ce jour, relative à la collation des gaz de l'académie, ont été respectés. Conférons au candidat précité les gaz de docteur en droit, en foi de quoi nous remettons le présent diplôme et
des assises de l'université et déclarant qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi dont répond CIO. Fait à Kinshasa le 4 mars 2021 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, président de l'Université académique, et station d'annoncement pourquoi, professeur ordinaire. Pareille circonstance, il n'est pas toujours conseillé de rallonger le mot à adresser à toutes les personnes qui ont été des grands apports dans la matérialisation de cet événement. Une pensée pieuse à mon effet pas. À dire merci à tous les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa qui ont permis à ce que cette soutenance publique soit matérialisée en ce jour. Je remercie la faculté de droit de l'Université de Kinshasa à travers le doyen ici présent pour tout ce qu'elle a fait dans la diligence de l'examen de mon dossier de thèse. Mes remerciements s'adressent aussi au département de droit économique à travers son chef, le département ici présent, pour également sa diligence et des observations faites, l'accompagnement en vue de matérialiser cet événement. Mes remerciements s'adressent spécialement à mon promoteur de thèse, le professeur Kola, qui a cru en cette dissertation et qui a cru aussi à mes capacités. Je remercie mon épouse et mes enfants ici présents pour tant de sacrifices qu'ils ont consentis en vue de permettre la réalisation de cette dissertation doctorale. Mes remerciements s'adressent aussi particulièrement à ma mère ici présente,
les sacrifices aussi consentis dès ma tendre enfance à ce jour. Des remerciements à mes frères et sœurs biologiques présents, aussi pour les sacrifices et les privations de toute nature. Je remercie tous les amis ici présents, les membres du cercle de réflexion des jeunes de Kinshasa, les étudiants présents dans la salle, mais aussi des collègues assistants et chefs de travaux. Des remerciements aussi particuliers aux membres du comité de gestion de l'université protestante au Congo pour l'accompagnement, tant financier que matériel, ayant permis la réalisation de cette dissertation. Et je termine par remercier le doyen de la faculté de droit, particulièrement ici présent de la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, pour son accompagnement psychologique, moral et même scientifique. Voilà. Et je ne peux pas oublier aussi de remercier certaines personnalités ici présentes. Je cite le sénateur Mabaya, qui a été aussi un père pour moi, et les autres députés présents dans la salle. À tous les anciens de l'UPC, mes collègues de promotion, merci. Merci. Monsieur le secrétaire général académique et représentant le recteur, chers collègues, présidentes et membres du jury, distingués invités, c'est un honneur pour la faculté de droit de l'Université de Kinshasa d'accueillir un ancien étudiant de l'Université protestante. Ceci témoigne de l'ouverture que nous avons toujours promis et prôné au sein de notre faculté. Docteur Roland, vous venez d'avoir une plus haute consécration dans votre vie académique à l'Université de Kinshasa, Université Lovagnol, il y a quelques années. Ce jour doit être pour vous un jour mémorable, parce qu'au moins, vous êtes entré dans les annales de cette université pour avoir été son prof. Monsieur le recteur vous a apporté une robe qui a une signification. Au-delà de ce qu'elle représente comme beauté, ça représente une élévation. L'élévation se traduit par le feu vert que le jury vous a donné. Lorsque vous étiez licencié, vous étiez généraliste. Maintenant, vous devenez spécialiste. On ne vous fera plus des observations. Vous avez un boulevard devant vous. Et devant ce boulevard, la tentation est de se tromper. Évitez de se tromper dans ce qu'on est de dire aux autres ou aux aînés. À une tentative d'opposition, tout simplement, que je connais bien ce monsieur-là, nous avons un cadre. Lorsque le jury examinez votre thèse en séance privée, je suis entré dans la salle. Goma, chez nous, à l'Université de Kinshasa. Comme mon recteur Goma Yanzo le dit toujours, université mère, université maman. Merci beaucoup. Merci donc pour la séance académique de notre thèse de doctorat en droit et clôturer les thèses. Bonne fête à tout le monde. Merci pour m'avoir donné l'occasion, n'est-ce pas, juste à chaud,
de m'exprimer après cette soutenance de thèse que vous qualifiez de brio. Moi aussi, n'est-ce pas, tous les membres de jury, ainsi que tous les membres de jury, nous l'avons qualifié de brio parce que l'intéressé, comme vous avez remarqué, n'est-ce pas, c'est un... Il était docteur, n'est-ce pas? Doctorant d'abord, maintenant il est docteur. Il est très bon dans la recherche. Il était intelligent, comme vous avez remarqué, n'est-ce pas? À travers ses éléments de réponse, courtois également dans sa façon de parler, et courageux, comme je l'ai dit, pour tout ce qu'il a eu à faire. Il a eu à effectuer des voyages, n'est-ce pas, pour matérialiser sa thèse. Il n'est pas seulement resté en RDC, il a eu l'occasion de faire le Sénégal, il a eu à faire aussi le Cameroun. Donc l'espace, n'est-ce pas, au WADA, pratiquement, il a eu à toucher de ses bouts du doigt avant de matérialiser cette thèse. Vous me demandez la valeur ajoutée. Elle est évidente, cette valeur ajoutée, c'est de voir comment réécrire, n'est-ce pas, du moins fiscalement, n'est-ce pas, la loi de 2018 portant crédit bail dans notre pays, fiscalement pour inciter principalement les crédits bailleurs, n'est-ce pas, à être disposés à accorder ce genre de crédit. C'est très important pour notre développement. Et comme il a dit, nous avons besoin de financement, pas seulement de financement à court terme, mais aussi à moyen, à long terme, n'est-ce pas, de gros financements de production qui peuvent sous-tendre le développement de ces pays. Donc la contribution est évidente. Voilà. Je vous en prie. Je ne pense pas que la question ait été abordée par plusieurs auteurs par rapport à la problématique de ma matière. C'est même ça l'originalité de ma thèse. En fait, je suis parti d'un fait, c'est la disparité de textes de loi sur la question du crédit bail dans l'espace communautaire OADA. Le Congo a sa loi sur le crédit bail depuis 2015, le Sénégal a la sienne depuis 2011, le Cameroun depuis 2010 et récemment le Burkina Faso. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est en train de travailler sur son projet de loi. Et donc cet état de choses pour moi, j'estime qu'il viendra consacrer ce que j'appelle la disparité des textes pouvant provoquer de grands problèmes lors de la survenance des litiges par rapport à la loi à appliquer. Vous savez, nous sommes dans la dynamique du droit des affaires qui voudrait assez qu'on ait des règles simples, simplifiées, qui ne voudrait pas, à chaque fois que le litige survient, qu'on puisse revenir sur des règles de droit commun. Raison pour laquelle moi j'estime, j'emboîte d'ailleurs le pas à la dernière session de la conférence des ministres de l'OADA, qui a aussi préconisé un acte uniforme. En fait, c'est pour essayer de rapprocher ces différents textes de loi et en faire un seul texte. Cela consisterait une sécurité juridique en cette matière. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé même à démontrer que pour que le crédit bail puisse connaître un succès dans l'espace OADA, il va falloir que ce crédit bail soit rentable. Et la rentabilité fait appel à la fiscalité. La plupart de ces pays ont des législations fiscales très sévères, un peu dures. Raison pour laquelle je plaide pour une fiscalité incitative à travers notamment des exonérations, des exemptions qu'il va falloir accorder aux opérateurs économiques désireux d'investir dans ce secteur. Voilà un peu, de façon résumée, le libellé de ma thèse. Un mot sur le choix du sujet ? Oui, mais effectivement, j'ai choisi le sujet à partir de l'analyse que je fais des différents textes. L'article 3 de la loi congolaise sur le crédit bail prévoit la possibilité d'une opération transfrontalière du crédit bail. Alors, je me suis posé la question, mais alors, quelle serait la loi applicable si un crédit bailleur congolais arrivait à entrer en contact juridique avec un crédit preneur ivoirien? Certainement, il se poserait un problème. Raison pour laquelle je pensais qu'il est temps que nous puissions avoir un acte uniforme dans l'espace OADA sur la question, mais aussi prévenir les différentes difficultés fiscales pouvant naître de cette opération. Donc, voilà. En quoi consiste ce acte uniforme là? Oui, l'acte uniforme n'est pas encore là, mais moi je contribue. Et parmi les techniques que j'ai utilisées pour contribuer, c'est le rapprochement des textes. J'ai fait une étude comparée, des différents textes existants déjà, pour moi, que j'estime être des prémices pour cet acte uniforme. Voilà. Dans le Kota Lingala,
tokoki koloba que makanisi na ngai ezalaki plus tourné na na bofulu ki ya mboka développement économique ya mboka na biso ebi ke ba mboka nyonso na mokili ya poto to même na Afrika bazali na problème ya développement. Alors ngana moni ke po mboka na biso Congo na ba mboka misusu o ya espace o abengi na lopoto wada esengeli ba meka ko bongola makanisi na bango na o etali ba mécanisme ya bofulu ki ya espace na biso abengi wada. Alors yango na lobby ke o ba bengi credit buy ezali ba anglais ba bengi yango leasing. Et ça lui un instrument makasi oyo ko ko sale sa mboka na biso po kende liboso. Crédit ba ezali différent na ba crédit musu to zwana ba banque hein. Na ba banque soki ezwa crédit ba ko senga yo pesa buko lupangu to kende ko simsa eloko songolo paka. Mais na crédit ba makama ko simsa eloko ezali te. Risque ezali makasi. Ndenge risque ezali makasi esenge siko mibeko ya po emeka ko kotala lolenge ni bakoko kanalize opération wana et ko yipe ko mape développement na mboka ba mboka ebele soto aussi par exemple France même ba compagnie bango d'aviation ba avion na bango parti mo kies a rapé financer na eloko ba bengi credit buy donc na kanisi que tango ekoki po mboka na biso bana lyo sa mboka amenga ko pesa makanisi po na botombo ya mboka olobi non pas à l'état congolais to sera ki vulgarisation ba ba yeba mobeko ango ba banque na biso batu to yeba mobeko ango po to menga kozwala na attention oui, pour permettre que Mboka kende liboso. Merci. Ben conseil à Souka na lobby l'état congolais a meka ko tia makanisi mingi na likambona mais aussi bata la pelle likambo etali mpako. Mpako na biso zali likolo mwa mingi. Soki batali na makambo ya kende baso ba diminuer mwa mpako muke possibilité zali pe batu ba ya ko s'intéresser ba ya ko financer au mona ba ndako ko tonga ma awa ba avion ba ko somba ba train minene ko ya pour l'état moderne abimisaka mbongo nyo sote l'état ko ripe ko defa mais ko defa ngo pe ke sene yango pe crédit ba za forme ko defa mais ko defa moko oyo bo ko pesa garantie moko te sirete moko te lisa makasi yango to sengi ke l'état acha sete na likambo wana.